Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec Katox. Salut Katox! Salut! Et on se retrouve avec Daedino de mon côté, un petit recrutement d'une nouvelle armée. Du côté des sources de vie éternelle, alors on n'a pas des unités aussi dingues que à Morgame, mais quand même on a pu les recruter direct. 4 gardes des cryptes, des spectres des cairns, de la charrette macabre, c'est déjà pas mal. Il faudra qu'on lui prenne un nécromancien pour l'aider un peu. Bah c'est pas possible quoi. Ça veut pas. Bah j'ai une bonne armée mais là quand même c'est un peu abusé. Voilà. Bah écoute, des fois faut tester puis reculer, après ça te fera peut-être sortir. Hein. Bah, je vais tester ça. Ici, on a moyen peut-être de faire un tour là et de recruter des trucs un peu cool. Le vampire, on n'est pas pressé, on pourra le recruter au prochain tour. Enfin, le nécromancien. Ici, on va avancer par là-bas. On continue de prendre de l'attrition, ça fait chier, mais bon, c'est comme ça. Dédé. On va te donner ça. Et on va aller découvrir cette cité pour se rendre compte que, comme par hasard, c'est des Skaven qui traînent. Jacob, est-ce que tu t'es assez remis? Pas encore, hein. Ouais, tu t'es pas encore assez remis. Il va falloir qu'on aille tomber sur ces fumiers là. Ah putain, il est en train de faire une garnison squelette quoi. Dans sa ville, le salaud. Le compte réanimé. T'as pas encore un gros bourdon toi. Ah, on peut direct tomber sur cette cité là. Bah écoute, j'ai envie de te dire, tu déclenches des guerres, tu vas en payer les conséquences hein. Allez hop. Faire un morgul, on s'en fout complètement. L'épée du tourmenteur. Ok, alors par contre, je vois qu'ici on peut recruter des trucs. Je pense qu'il va être temps de se débarrasser des zombies. Come, impress me. I grow impatient. On prendrait quoi de beau? Un deuxième comme ça? Ouais. Oh, on a du chevalier de sang ici. Oh, on a du Vargulf. J'aime. Un petit carrosse noir. Invocation de la mort, ça fait quoi ça? Invocation de la mort. Se nourrit d'énergie magique qui renforce sa résistance et augmente sa charge. Si plus de 120 victimes, résistance aux dégâts plus 40%. Ah ok, d'accord. Très très bien. Ah ouais, si plus de 40 victimes, attaque enflammée plus 50% de dégâts les armes. C'est marrant. Qu'est-ce qui irait bien pour équilibrer l'armée? Parce que c'est bien de recruter des troupes rigolotes, mais il nous faudra un peu plus de cavalerie. Donc je pense que des chevaliers de sang, c'est plutôt pertinent. Alors, on a un seigneur en garnison qui s'est pas déplacé. C'est toi, mais... normal. On a un héros qui s'est pas déplacé, c'est Shobiti. Elle s'approche. Parce qu'eux ils m'ont déclaré la guerre, mais en vrai ils ont le grand désert d'Arabie avec deux bâtiments dedans, ils ont même pas d'armée. Vous existez les gars? Non, vous existez même pas, ils ont pas une seule armée les mecs, ils me déclarent la guerre. C'est quoi le délire? Pourquoi je m'emmerde à faire une armée en fait? C'est ça la question. J'aurais dû aller occuper leur truc avec Shobiti, puis ça ira bien. Bon, la corruption vampirique s'étend quand même. Ça fait plaisir. Ça commence à être propre. Ah, ouh, il y a une armée juste là. Je l'avais pas vu. Qu'est-ce que tu veux, Quick?
Non, je veux pas d'alliance défensive avec toi parce que je veux la négocier contre ma ville. Ah, ici il y a le roi, bref. Ouh, il a une belle armée! Enfin, une belle armée. Il y a beaucoup de guerriers de Nekara d'élite. Pas mal de. Ouais, si, c'est quand même une armée qui. Qui peut piquer un peu. On a presque éliminé tous les zombies de notre armée. Ok. J'avais l'espoir que les orques sauvages soient capables de. De renverser un peu la vapeur, mais j'ai pas l'impression. Hein. Ils vont se faire défoncer. Qu'est-ce que tu dis, excuse-moi? Je regardais un Arcane qui se refait défoncer. Ah! Ouais, bah, s'il se fait repousser sur la côte, de toute façon. Bah, ça va, t'as pas des malus parce que t'as perdu le. L'autre là, le. Merde, le cimetière. J'ai entendu que t'avais répondu, mais j'ai pas compris. J'ai toujours pas de. J'ai pas de malus lié à ça. T'as pas de malus. Mais j'aimerais bien terminer les hauts elfes juste là en bas, histoire de pouvoir remonter. Ça m'arrangerait beaucoup. Ouais, ouais je comprends. Ah, sinon, tu recrutes juste un seigneur, tu l'amènes dans le galion. Tu ressuscites des trucs instantanément avec tous les bonus qu'il y a et puis tu le reprends. Ouais, pour ça il faut de l'argent. Ah, tu t'invoques un seigneur tout seul, ça doit pas être si cher quoi. Ok, bah, à ce point là. Bah même pour recruter des trucs, il faut quand même des sous. C'est vrai. Moi y'en a pas à avoir money. Ouais, puis vu qu'on n'est pas alliés, je peux pas te donner de sous en plus. C'est dommage. Si on avait juste un petit héros chez toi, alors bonjour. Bonjour. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi je le vois pas bouger? Il a fait quelque chose réellement? Ouais, bof. Je crois que tu vas recréter ta déclaration de guerre, machine. Je vais tellement te défoncer. Alors, ici, si je fais ça, je fais... Oh là là, des scaven révélés. C'est terrible. Incroyable. Ah, je pense qu'il veut pas suffisamment d'alliance. Ouais, non, voilà. C'est... L'échange de colonies, c'est moins 35 et l'alliance défensive, c'est plus 1. Ça paraît pas pertinent. Bon bah tant pis, pour l'instant on va se taper un Skaven. Par contre, on en est où de corruption vampirique? Ça va tellement pas vite quoi. Faut qu'on retourne dans un endroit où on peut. On va retourner juste là, là on pourra se reformer. Ici, prochain tour on est bon. Et on va développer cette ville 4000 balles. Oh la vache, ça fait mal aux fesses. L'ordre public remonte. 10 pour la présence militaire, ok. Bon, on va regarder un peu. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une armée costaud là? Il y a une garnison, ok, il n'y a pas de mur. Ils ont rien. On va envoyer des zombies et puis on va les défoncer quoi, en gros, c'est ça l'idée. Grave times. Allez go. Necropolis awaits. On va aller picoter un peu du bretonien. Pour la peine. Allez, Chobiti en éclaireur. Ah oui, il fallait qu'on recrute un nécro. Objet de sort, buveur d'esprit, mais oui, complètement. Tu viens, mec, zéro problème.
On va te filer ça, pourquoi pas. Et ça. Qui c'est qui pourrait prendre. Tiens, Daedino là. Le masque terrifiant de A. Tu vas prendre ça plutôt. Et toi, tu vas prendre ça. Au niveau des auxiliaires, on a une bannière de guerre. Ça, on pourrait le donner à Daedino ça. Tac. Un chat noir, pourquoi pas. What? Et toi tu prends ça. Parfait. Ok, maintenant, où est-ce qu'on peut investir? Là, on pourrait investir cette ville-là. On va le faire. Et ça. Non. Ça vaut pas le coup. Ça, par contre, c'est bien. Parce que ça va aider aussi cette province-là. Lord of the Glade. Ah, c'est vrai qu'il y a lui à buter là pour. Alors, il y a toi. Toi, t'as quoi? Gardien des tombes, avec Albarn, quelques archers, des chars. Ça demande réflexion. Se débarrasser du zombie. On va recruter. On va recruter quoi? Un Terrorgeist? Ouais. Un zombie contre un Terrorgeist, ça me paraît plutôt un bon échange. Oui. Je pense que tu vas y gagner quelque chose. Alors là, on serait sur une défaite valeureuse. Ah putain, c'est vrai qu'il y a du, mec vénère en face. Ouais. Il y a beaucoup d'archers aussi. Et il a des murs. Il a des murs? Non, il a pas de murs, sinon il me demanderait de faire des engins. Voilà, encerclé. S'il y a une autre armée ici, on se repliera si besoin. Toi, tu fais rien, encore un tour. Et, excuse-moi Katox, je passe le tour. Aussi. J'ai des incantations pour que ce mec sorte de sa foutue ville. Ah, ça par contre, ça va commencer à devenir problématique là. Claquet qui déclare des guerres. On va devoir faire des packs de non-agression peut-être à droite à gauche parce que ça devient tendu. Maintenant, on est menacé à l'ouest, au sud et à l'est. Menacé de partout. Ouais. Ouais, ça commence à faire mal. Là. On va laisser tomber le lol des Bretoniens et. Et envoyer. Alors, il sort, ok. Ouais, quand même. Ouais. Ah ouais, quand même. C'est positif, toi, non? Écoute, c'est une défaite de justesse, alors. Bah, rejoins-moi si tu veux. Hein. Je la fais ensemble. Y'a même pas d'armée de renfort hein, du tout. Non, on a Manfred. Un Manfred avec ses objets.
Je te file les unités rapides. Ouais, on va essayer de se débrouiller avec ça. Et puis est-ce kill. Hop. Toc. On va les mettre derrière. Ah, t'as quand même de la cavalerie de qualité, Ast kill et un Terror Geist. Ouais. Il y a moyen de faire quelques trucs. Quelle gueule les Terror Geist. Elles ont une belle gueule, les Terror Geist. Parce que c'est des trucs de renom. Non, pas les Terror Geist, les. Même pas. Ah, les. Les Vargeist. Les Vargeist, ouais. Les Vargeist, c'est des trucs de renom. Ouais. C'est vrai que ça fait une sacrée coupe de cheveux. Ils ont changé le style des Terror Geist, non? Avant, c'était plus un dragon. Bah, c'est non. Quand même un dragon là. Enfin, non, c'est une vouivre plutôt. Non, c'est un dragon. Ouais, ça. C'est un dragon. Il a pas de pattes en plus de ses ailes. Mais c'est pas un dragon de l'ombre hein. Tu regardes la monture de Von Karstein, c'est un dragon. Ouais, lui c'est un dragon. Alors que le Terror Geist c'est plutôt une vouivre hein, effectivement. Bref. On a des gens à éradiquer. Alors, on va faire une ligne de front avec nos gardes des cryptes. Les morgoules, hein, ils peuvent se cacher. Est-ce que ça vaut le coup de les cacher quelque part? Pas convaincu. Pas d'artillerie ou truc du style. Yes, awake minions. Necromancer. Alors, on a le compte réanimé et on a Manfred. Manfred, il a quoi de beau? Une boule de feu, maîtrise des sorts. Régénération, ok, il y en a un. 0,80 pendant 33 secondes. C'est pas mal. Et le souffle pestilentiel du dragon. Ok. Ensuite, il a ça. 8 résurrections et le buveur d'esprit. Bon. Tu vas les rush en buveur d'esprit le. Oh bah, le gars d'en face. Oui, je pense qu'on va faire en sorte qu'il en ait en permanence sur la tronche. Je te confirme. La stratégie elle va être assez simple. Hein. Il a des archers, on court. Je pense. Je sais pas ce que t'en dis, mais. Oh la vache! Masse! Non, c'est pas abusé, non. Oh putain! Absolument pas. Ah la vache, quoi. J'avoue que ça pique. Alors, ça, c'est du char archer. Ouais, c'est que des char archers. J'essaie de les accrocher. Hein. Oh, comment ils ont désossé les gardes des cryptes? Ah oui, il a les catapultes à crâne, effectivement. Ouais. Vous allez les choper. Bon, les chars archers, c'est dead. Ils sont aussi catapultes à crâne, ok. Le comte. Alors, il y a ces charognards qui arrivent. Ça va aller. Alors ici, hop. Là, on commence à le travailler un peu.
par là. La 9 de pro pour esquiver. Oh, les renforts sont déjà là et je vais pas réussir à prendre les catapultes. Oh, je peux pas m'arrêter parce qu'il y a catapultes, hein, c'est bon. Je te dis plus que toi. Mais... je sais pas exactement. C'est là qu'il manque vraiment, tu sais, juste une petite unité un petit peu inutile, là, tu sais, juste pour aller déranger les catapultes. Ah, ils les mettent en mouvement, oh, bon, parfait. Parfait, parfait. Ah, vous êtes un peu tout seul les gars. Non, toi tu viens par là. Toi, ici. Putain, c'est de la merde ça. Corpse cat, now. Bon, je sais pas exactement où entamer le bousin. J'avoue que là, ça demande de la concentration un peu partout. Hein. C'est chaud du cul. Il est où leur héros là ? Il est là. Allez, bim, toi, bim, ensuite, bim. Là, faut se bouger le cul. Hein. Charger par là. Celui-là, ici. Le petit buveur d'esprit. Witness true power. Life is a phase. Beautiful decay. C'est toi les carnes, ils sont un peu trop tout seuls là. Ouais, on est trop seuls sur ce flanc. Il va falloir courir les gars. Là, chargez-moi ça de dos. Ici, vous faites le tour. It is time. With haste. Their time has come. We surpass Nagash. Yes, awake, minions. Yes, yes. Serve my will. Là, ça se passe comment? Toi, tu vas te relever. J'ai trois unités de... d'archer là en un coup. Ça fait du bien. Là, j'avoue que je te laisse complètement gérer cette partie là. Je reviens par là. Ici. Ok, un seigneur de moins déjà. Putain, elle est abusée.
join us. All will wither. Ça, c'était des zombies à la con, donc on s'en fout. Ici, on est chargé de dos. Toi, tu reviens un peu plus par là. Toi, c'est pareil. Les chars archers, là, ils résistent. Hein. C'est extrêmement désagréable. All before us will perish. C'est pas optimal ça. C'est plutôt ça. With haste, corpse cut. Now. Ici, il sait d'où cette balle. C'est insupportable ça. Là, on va tâcher de les cerner. Manfred, t'es en train de douiller un peu là ou c'est moi? Trop de tireurs. J'essaie de m'en charger, mais il y en a beaucoup. Ouais, ouais, non, mais pas te demander de tout faire, hein, t'inquiète. Hein. On va aller utiliser son souffle là. Alors, par contre, j'aimerais bien que tu vises. Mais pourquoi tu vises? J'ai déjà coincé la catapulte. Je peux pas mettre pause, hein. Non, je peux pas mettre pause. Est-ce que tu mets. Ah si, je peux mettre pause, putain. J'aimerais comprendre pourquoi il vise comme un cul. Avec le souffle pestilentiel là. Si je vise genre ça, c'est que vraiment ils sont là. Bon bah écoute, si vraiment ils sont là, vraiment ils sont là alors. Necromancer. Now. Ok, ici c'est fait. Vous par là-bas. Vous par là-bas. Pareil, on fonce par ici, le chariot on va mettre dans le dos. Toi tu viens là. Oui, pourquoi tu ne veux pas lancer sort? Lance ce sort. Leurs deux seigneurs sont morts. Ça y est, c'est Ced. Gros tas de relous là, il est en train de céder. Bon, c'est Ced de partout. Bien joué. Je suis plutôt bien amusé avec la cavalerie, je vais t'avouer. Bah écoute, tant mieux. Je pense que ça se verra. Ouais, je pense que j'aurais pas pu gérer la cavalerie en plus du reste, surtout sans pause quoi. 326 morts, ça va. Là, ça va, ça fait le taf. Ça va. Bonfred, il a bien géré aussi, hein. La vache, 160 ouais. Morts, sachant qu'il s'est fait l'un des deux seigneurs en plus. Les gardes des cryptes à armes longues, là, les lames oubliées à l'arme lourde, ils ont bien géré aussi. Tu vois, ça se faisait. Et on a perdu un spectre des cairns et un morgul qui vont peut-être revenir en plus. Il y a juste le morgul qui revient. Les morts s'élèvent à nouveau. On va prendre la régène, ouais. Je lui avais dit qu'elle allait regretter d'avoir déclenché la guerre. Hein. Il y a une autre armée pleine là-bas. Pareil, on va utiliser une stratégie de vampire, on va raser ses cités, enfin on va les prendre. Après il pourra les reprendre derrière s'il veut, mais ce qui compte c'est qu'il ait plus ses bâtiments de recrutement. Et petit à petit on va l'user. Qui fait le plus chier, c'est Tlaka. Tlaka, j'espérais pouvoir négocier quelque chose avec lui. Et
ça paraît compromis. En tout cas, merci pour le coup de main sur cette bataille. Aussi. On aura de pas avoir de bataille avec les Elfes là-bas. Ouais, t'arrives pas à les choper, vraiment. Non, ils veulent pas sortir. Vraiment pas. Ouais, bah après, tu peux peut-être tenter une paix et puis passer à autre chose. Hein. Ça peut aussi être une idée. Hein. Non, ils sont pas assez fiables. Ah, on a débloqué les austères des gardes des cryptes et les patrouilleurs de Verek. Ok. Et le contraminé a droit à son chariot infernal. Alors du coup, Chobiti, tu vas laisser tomber les Bretoniens, tu vas partir au sud plutôt. De toute façon, ils ont même pas d'armée, donc tu serviras à rien au final. Et Daedino, c'est pareil, redirige-toi vers là. Hop. On va regarder ce qu'on peut recruter. Quelques horreurs. De la goule des cryptes. C'est parti. Est-ce qu'on a un truc pour recruter, rendre recrutement, coût de capacité de recrutement? Ouais. Ouais, c'est pas... ça vaut pas le coup. Alors, du côté de Manfred. Alors non, d'abord avant que j'oublie, du côté du camp d'Orion. Tu veux vraiment pas un petit pacte? Et si je te file de la thune? Genre tout. Ouais, ça, pas, ça joue pas des masses. T'es en guerre contre personne en plus. Ça sent le pâté. Ça sent le pâté. Eux ils m'aiment pas parce que je fais une guerre contre Tlacab, hein, en même temps. C'est eux qui m'ont déclaré la guerre, hein, c'est pas moi donc. Merci de m'enfoncer, jeu. Ça fait plaisir. Allez, ici, on va sortir. Toi, tu veux toujours un pacte ou pas? Contre 460 balles, allez, prends. On va pas s'en occuper tout de suite de cette zone. Ce sera beaucoup plus tard. Par contre, on va prendre ce truc, quitte à juste le raser. Parce que là, il y a 100 de corruption Skaven, donc il y a du Skaven, ça n'y a pas trop de doute de ça à ce propos. Mais c'est ouf de voir les listes de recrutement de la résurrection, quoi. C'est vraiment monstrueux. Allez, puisses-tu le premier, il est grand temps que tu retournes ici. Te refaire un peu. Et après, on te virera tes dernières unités de merde et on les remplacera par des gardes des cryptes. Tu te refais pas? Ah oui, parce qu'on est en territoire étranger. Bah, attends. Voilà. Là, ça devrait marcher, ça. Non, ça marche pas. Ah. Permet la reconstitution en territoire étranger. On m'a menti. Voilà. Et puis on occupe. Allez, on va faire les niveaux et après on arrête l'épisode. Il me semble bien que la résurrection c'était censé invoquer des guerriers squelettes. Pourquoi je me suis retrouvé avec des zombies? J'ai un peu l'impression de m'être fait flouer en vrai. C'est comme ça. Prendre ça, toi. Et ça. Attends, on a gagné un paquet de niveaux. Ils ont tous gagné 3 niveaux sur cette bataille, quoi. Étonne. Hop là. Est-ce qu'on peut pas recruter quelque chose pour remplacer notre Morgul mort? On peut recruter trop de trucs. Même pas par quoi le rencontre.
On a perdu quoi? On a perdu un spectre des cairns. On peut le remplacer par des émissaires d'outre-tombe. On a quand même pas mal de cavalerie déjà, enfin d'unités rapides dans cette armée. On va reprendre un spectre. Ouais, on va être simple et efficace. Et on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, dire ce que vous en avez pensé. Laissez des petits noms si vous voulez qu'on renomme des personnages. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde. Salut.